trois empêches à y voir. Bimana bala bala e, banzana na banzono. Danga lokola kake, bona candidature à maréchal. Mobutu sese seko. Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katangais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraye la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Nous avons eu affaire à des bandits, à des gangsters. L'armée zaïroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zaïre est là. Les documents saisis le prouvent. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour assassiner. Ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer,
je suis en mesure de vous dire que la sécurité de ceux qui feront désormais confiance à mon pays sera garantie à 100%. Les grands responsables, il le dit aujourd'hui, comme il le disait à notre envoyé spécial Christian Bousquet, l'an dernier, au moment où ses troupes aidées des Marocains venaient de reprendre la ville de Mouchacha. Toutes les caisses portent la mention Union soviétique, donc vous savez qui est derrière ce qui se passe ici, le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus. C'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement, qui est agressé. C'est ça. Et moi, en ce qui me concerne, je dirai toujours les quatre vérités. Même lorsque Brejnev fera des déclarations mensongères. Le pion Netto en Angola, qui l'a placé au pouvoir? C'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Ben, tout s'écroule. C'est fini. Plus de pouvoir. La mesure elle-même d'assurer le contrôle de la situation. Il s'agit bien sûr, ces autorités légales, des forces du Zaïre. Je cite encore le communiqué de l'Elysée de cet après-midi parce qu'il apporte une précision importante, mais qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que disent les autorités belges. Toutes les informations nécessaires ont été données au gouvernement concerné, et notamment au gouvernement belge, avec lequel une liaison constante est maintenue. Ce communiqué est tombé dans le milieu de l'après-midi, mais la nouvelle de l'intervention française à Kolwezi a été... Les parachutistes zaïrois, largués hier sur Kolwezi, ont réussi à dégager l'aéroport. Nous volons à l'instant même à bord d'un C-130 Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30, heure locale, l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Les combats continuent encore? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure? Nous sommes en train de mettre les dispositifs en place. Ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question. Il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Les combats ont été d'une rare violence autour de la piste de Kolwezi, car on voit partout le sol jonché de carcasses d'avions et d'hélicoptères, d'obus non éclatés. On tire encore un peu dans tous les coins car l'armée zaïroise pour l'instant contrôle le périmètre de l'aéroport. La ville de Kolwezi, avec ses 2500 otages européens, est toujours entre les mains des ex-gendarmes katangais. Ces gendarmes katangais, lorsqu'ils sont arrivés il y a donc maintenant 5 jours, se sont conduits d'une façon à peu près correcte. On le sait par le consul de Belgique qui, par radio-téléphone, réussit encore à nous tenir au courant de ce qui se passe là-bas. Mais depuis que les conseillers cubains et angolais ont quitté leur protégé katangais pour se refouler au-delà de la frontière de Zambie, ces soldats ont été livrés à eux-mêmes et se sont abandonnés à un pillage systématique de la ville. On aurait violé des femmes, on a promené des blancs dans des camions découverts, on les a livrés à la foule. Il y aurait eu plusieurs dizaines de morts. Pour l'instant, quelle que soit l'aide apportée par la France, la Belgique, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui importe, c'est une évacuation humanitaire de ces 2500 civils dont le sort est extraordinairement critique. Raymond Girard, TF1, à Kolwezi. Vient de nous donner Raymond Girard. Claude Mercury, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à bord de l'avion de Mobutu le 20 mai lorsque vous avez été évacué vers Kinshasa. Et vous êtes revenu ici, c'est votre maison? Ça, c'est ma maison, oui. Mais il ne reste plus rien, tout a été pillé.
Ça avait été pillé par les Katangais ou par les Aïrois? Ben, je pense les Katangais, peut-être les civils qui étaient avec eux quand même, mais c'est pas les Katangais seulement. La population locale? Certainement, oui, ceux qui tenaient avec les Katangais. Vous l'avez échappé belle parce que vous étiez dans cette prison de la ville africaine de Manica, vous étiez une trentaine et vous avez été sauvé de justesse, non? Oui, on a été sauvé de justesse et disons, si le deuxième REP n'arrivait pas, on aurait été tué par les civils de la cité Manica. Est-ce que vous avez été torturé, brutalisé durant votre séjour en prison dans la ville africaine? Moi, personnellement, je n'ai jamais été torturé ni brutalisé, mais d'autres personnes, oui. Et on a failli être fusillé souvent, chaque fois que le mirage arrivait. Alors, à un moment donné, parce que j'étais français, on voulait me fusiller. Et après, parce que on me prenait pour un mercenaire marocain. On voulait me fusiller aussi. Mais alors, pourquoi êtes-vous revenu? Ben, je suis revenu pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai un contrat qui est en cours. Enfin, j'étais à la CEDIC en France, mais la CEDIC, ça dure un moment, mais il faut pas que ça dure toujours. Alors, comme j'ai eu l'occasion de revenir, je suis revenu pour finir mon terme, et après, on va voir. Apparemment, on est en sécurité puisqu'il y a l'armée marocaine et sénégalaise. Mais vous n'avez jamais peur le soir? Non, tant que les Marocains seront là avec les Sénégalais, non. La force interafricaine, composée presque essentiellement de troupes d'élite marocaines et sénégalaises, constitue pour les ex-gendarmes katangais un élément de dissuasion contre toute nouvelle aventure au Chaba. Numériquement faible, mais seul importe en Afrique la qualité des combattants, n'a-t-on pas vu 700 légionnaires mettre 4000 Katangais en déroute? La force interafricaine est l'unique garantie de sécurité pour les techniciens européens, isolés dans ce milieu hostile que représente la population locale. Les Lunda, comme les gendarmes Katangais, qu'ils avaient spontanément accueillis d'ailleurs en mai dernier, allant jusqu'à ériger des tribunaux populaires pour juger les travailleurs européens. Claude, les boutiques ont été entièrement pillées ici. Dites-moi, comment faites-vous pour vous alimenter? Ben, nous, on mange au mess de la Gécamine, autrement, on ne sait rien trouver en ville. Hein. Et pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, on parle que ça va rouvrir, mais pour l'instant, on ne trouve rien. C'est vraiment une ville morte, non? Ben oui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Commerçants, il n'y a rien. D'ailleurs, vous voyez, tout est fermé, tout est cassé. Mais vous croyez que les Européens, un jour ou l'autre, viendront en masse? Je pense plus, ils ne reviendront plus ce qu'il y avait à Kolwezi, c'est fini. Vous savez, Kolwezi, c'est un an maintenant et les gens hésitent à revenir. Hein. Un an qui fait peur? Oui, ça fait peur, surtout. Mais est-ce que vous imaginez demain des enfants d'Européens dans les rues? Moi, je ne pense pas. Enfin, je l'espère, mais je n'y crois pas trop. Kolwezi n'est plus qu'un décor de théâtre. Derrière les portails européens neufs, sous les allées de jacaranda et de flamboyants, toutes les maisons de la ville européenne ont été systématiquement pillées. Il ne reste plus un meuble, plus un interrupteur, plus un robinet. Partout, les gravats, le verre pilé et les excréments jonchent le sol. Les pillards se sont acharnés, souillant et détruisant tout ce qui ne pouvait pas être emporté. Cette année, il n'y a pas eu de rentrée scolaire à Kolwezi. Le lycée a été durement touché par les roquettes en mai dernier lors des combats. On le répare, mais personne ici n'ose encore envisager le retour des familles européennes. Il y a eu beaucoup de combats dans ce coin de la ville. Hein, le coin ici a été très 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 combatif ici. Il y avait une rencontre entre les rebelles et l'armée zaïroise. Et il y a eu assez bien de combats dans le coin. Et vous, vous êtes revenu, pourquoi? Ben écoutez, moi j'ai 26 années ici de service, que je suis dans ce pays, et à mon âge, je ne saurais pas me refaire en Europe. Vous aimez l'Afrique? Oui, on l'aime l'Afrique si on y reste. Malgré Kolwezi? Malgré Kolwezi, on y revient quand même. Mais sans famille? Sans famille, oui, sans famille. Tous les techniciens étrangers sont hébergés au foyer de la Gécamine.
Les rares maisons à peu près intactes étant occupées par des familles zaïroises. Dans l'immédiat, nous vivons une sécurité relative. Nous nous sentons en sécurité, effectivement, avec les troupes marocaines et les Sénégalais. Mais pour le moment, il n'est pas question de faire venir ma famille. Il faudra vraiment que je sois sûr que nous sommes en sécurité. Pour l'instant, là, vous menez tous une vie de célibataire dans des conditions rudimentaires. C'est vraiment une vie spartiate, non ? On s'attendait relativement à cette chose-là, mais ça dépasse ce que nous espérions ou ce que nous envisagions tout au moins. Effectivement, nous sommes dans un guestos là, nous sommes bien logés, c'est propre et tout, mais nous avons connu cette ville vraiment active, nous avons vécu des années heureuses ici avec nos familles, c'est d'autant plus pénible de se retrouver comme ça. Il n'y a guère que la présence des copains, puisque vous vous connaissiez. Là, nous nous connaissions pratiquement tous, et nous nous sommes retrouvés avec un très grand plaisir, d'ailleurs, parce que l'un encourage l'autre. Moi, je suis revenu parce que je suis habitué aux colonies depuis 1941. Je suis revenu après avec les événements du Maroc, d'une part, d'Algérie, et on ne se refait plus une situation quand on a 40 ans passé. Et pourquoi je suis revenu ici, c'est qu'actuellement, après les événements, à l'âge que j'ai maintenant, 57 ans passés, je n'ai aucune chance de me refaire une situation. Je reviens parce que je peux revenir. Et puis à Kolwezi, vous viviez bien tout de même. Ben, à Kolwezi, j'ai toujours bien vécu, hein, depuis que j'y suis. Beaucoup ont fait courir le bruit qu'on était tous des milliardaires et tout. C'est une erreur. On gagne peut-être un peu plus qu'en France, c'est à peu près certain. Mais il faut venir ici. Il ne s'agit pas de nous dire que nous, on est des colonialistes, comme beaucoup le disent, qu'on vient ici pour l'argent. Mais il faut venir le gagner, son argent. C'est un peu le salaire de la peur. Si on veut, mais enfin, c'est pas tellement le mot employé, quoi. Le raid des Katangais a paralysé pendant quelques mois les installations minières de Kolwezi. Mais grâce aux ingénieurs zaïrois, formés et encadrés par des techniciens européens, on a remis la machine en marche. À l'avenir, cependant, on emploiera, semble-t-il, un minimum de cadres et de techniciens étrangers. Les premiers licenciements affectent déjà la population européenne de Lubumbashi, l'ancienne Elisabethville, qui peu à peu regagne l'Europe. Est-ce que le départ des Européens a beaucoup affecté la production minière ? La production elle-même, non. Je peux dire non. Le fait que nous respectons le programme qui nous est imposé, ça prouve que du côté production, ça ne pose pas de problème. Là où il y a un problème réel, c'est du côté de la maintenance. Nous avons un effectif de techniciens qui sont compétents, des techniciens zaïrois, mais un nombre insuffisant. Ce qui fait que nous ne pouvons pas tenir longtemps avec le personnel qu'il y a, le nombre n'est pas suffisant. De ce côté-là, il y a un problème réel et nous devons faire appel à des techniciens compétents étrangers. Il y en a 28 pour le moment ici à Kolwezi, à la Jacamine il y en a encore à peu près 700. Les 28 là, c'est insuffisant. Nous avons déjà introduit les demandes auprès de président délégué général ici à la Jacamine, nous demande pour compléter ceux qui sont déjà ici. Mais vous venez à Lubumbashi de licencier une centaine d'Européens. Ah ben, ces Européens qui ont été licenciés là, ce sont principalement des administratifs. Vous savez très bien qu'avec le cours de cuivre actuel, la société est en train de traverser une période difficile au point de vue trésorerie. Alors, on doit comprimer nos dépenses au maximum possible. C'est pour cela qu'une partie des administratifs ont été licenciés. La mine souterraine, inondée par les Katangais, a été asséchée et remise en route. On a même progressé sensiblement d'ailleurs, du niveau 468 au niveau 502, où nous avons retrouvé Claude Mercury, qui dirige les équipes de forage. 6 mètres périphériques. Le niveau de la production actuelle, c'est comme avant les événements, c'est-à-dire on marche à peu près à 260-270 000 tonnes de minerais par mois. Et actuellement, on fait cette production. Enfin... Une poignée d'Européens seulement sont revenus. On dit qu'on embauche très très peu et surtout des Français. Ben, actuellement, on embauche très peu, c'est exact, puisqu'on a licencié pratiquement tous les agents de la Jacamine. Mais enfin, moi j'appartiens à une société de location et tout le monde a été rappelé. Et la plupart, ce sont des Français, mais il y a quand même quelques Belges. Le cuivre, c'est 80% de l'économie zaïroise. Encore faut-il l'exporter, car les ressources du Zaïre sont enclavées au cœur du pays, à 1500 km de la mer. La voie la plus courte pour atteindre l'Atlantique passe à travers l'Angola. Mais voilà,
le président Mobutu du Zaïre et le président Neto d'Angola, c'était les frères ennemis de l'Afrique, acharnés à se détruire l'un l'autre, du moins jusqu'à leur spectaculaire réconciliation en août dernier à Kinshasa. L'enjeu véritable, c'est donc de savoir quand s'ouvrira la voie ferrée Kolwezi-Lobito. Pour l'instant, la voie ferrée ne fonctionne pas car le pont de Dilolo, à la frontière entre les deux pays, avait été détruit lors de la guerre d'indépendance de l'Angola. Mais on a promis de le construire à nouveau dans des délais extrêmement rapides. Lorsque les deux présidents se sont rencontrés à Kinshasa, ils avaient signé un accord stipulant que aucun des mouvements d'opposition à leurs deux régimes ne trouverait une forme d'assistance quelconque dans les pays respectifs concernés dans cette affaire, c'est-à-dire que les mouvements de Savimbi et d'Olden Roberto ne recevraient plus l'aide de Mobutu et que par ailleurs, le mouvement de Nathaniel Bumba et des Katangais ne serait plus aidé par Agostinho Neto. Or, les deux victimes de cet accord, ce sont justement Savimbi et Nathaniel Bumba. Respecteront-ils, eux, l'accord conclu entre Neto et Mobutu? On peut en douter, car la voie ferrée qui relie Kolwezi à Lobito sur l'Atlantique passe justement par un territoire qu'il contrôle en grande partie. Non, au commandant premier jour militaire. Mon général. Tributaire de l'Angola, aussi bien pour acheminer son cuivre vers les marchés européens que pour la sécurité à l'intérieur du Chaba, le Zaïre a donc tout intérêt à entretenir les meilleures relations avec son voisin angolais. Relations amicales qui n'excluent nullement une vigilance accrue le long des frontières, comme le souligne le gouverneur du Chaba, le général Singa. Mon général, la levée de troupes est terminée. À vos ordres. Mon général, en mai dernier, lorsque la colonne des 4000 Katangais a traversé une partie du Chaba pour arriver jusqu'à Kolwezi, est-ce que vous n'aviez pas de moyens d'observation pour justement savoir que ces troupes avançaient vers Kolwezi? Vous savez, là, je crois qu'il y a eu une petite erreur tactique de notre part. Parce que le regard, notre regard était surtout fixé sur la frontière zaïro-angolaise. On considérait à ce moment-là comme la frontière Zambie-Zaïre comme une frontière sûre. Donc nos dispositifs de sécurité étaient surtout basés du côté de la frontière zaïro-angolaise. Et actuellement, vous pensez qu'il n'y a plus de possibilité d'effet de surprise? Et vous estimez que le calme est revenu dans la totalité du Chaba? Le calme est revenu dans la totalité du Chaba. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous allons croiser les bras pour dire que le calme est revenu et qu'on ne peut pas continuer à vigiler. Donc moi, ma première mission, c'est de continuer à insister sur la vigilance de nos troupes. L'erreur tactique des forces zaïroises a tout de même fait un millier de victimes, dont une centaine d'Européens. Les corps de ces derniers avaient été jetés dans les fosses communes 15 jours après le massacre. Deux médecins bénévoles, les docteurs Rupol et Télin, ont exhumé les victimes pour les identifier et leur donner une sépulture décente. Nous avons assisté à l'exhumation de la dernière victime européenne qui a été ensuite identifiée et puis inhumée après une cérémonie religieuse. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Apporta inferi et rube domini anima seorum. Vous venez à l'instant d'enterrer la dernière victime des événements de Kolwezi, la dernière victime européenne, et je pense que vous avez pu établir un chiffre exact des disparus. Oui, nous avons eu des demandes pour 42 Belges, 21 Français, 6 Anglais, 6 Grecs, 1 Américain, 4 Italiens, 1 Yougoslave, 2 Allemands de l'Ouest, 7 Libanais et 3 Mauritaniens. Le total, ça fait 93 personnes. Nous avons retrouvé 91 corps. On a parlé d'otages, on a parlé de disparus qui n'auraient pas été réclamés. Vous croyez que c'est scientifiquement acceptable? Écoutez, je pense qu'on ne peut absolument rien dire.
pour la bonne raison qu'on n'a aucun renseignement de l'autre côté, des personnes qui auraient été enlevées. Tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas parler d'otages. S'il y a des otages, c'est qu'on ne les connaît pas. C'est que personne ne les a réclamés. Donc ce serait tout de même étonnant. Ce serait étonnant, oui. Mathématiquement, si on voit les chiffres, c'est presque exclu qu'il y en ait. Aujourd'hui, toutes les victimes africaines et européennes reposent dans la paix du cimetière de Mwangizi, où ne peut plus les atteindre la folie sanguinaire des hommes, qui fit entrer dans l'histoire, ce jour de mai 1978, une paisible petite ville africaine du nom de Kolwezi. Après les atrocités de Kolwezi, aucune voix ne s'élève pour plaider le dossier des rebelles katangais. Les adversaires du président Mobutu ne désarment cependant pas. D'après eux, c'est le régime zaïrois qui serait responsable de la dégradation de la situation au Chaba. C'est en tout cas l'analyse que fait le fils de Moïse Tshombe, M. Jean Tshombe, qui est le porte-parole des mouvements d'opposition au président Mobutu. Une interview de François-Xavier Do. Ces atrocités, il faut non seulement les condamner, mais il y a un fait important qu'il faut relever, je crois, c'est pourquoi ces atrocités ont-elles été commises, n'est-ce pas, oui. Pourquoi, moi j'imagine très facilement que, vous savez, quand on a parlé à un moment donné de l'intervention franco-belge, on en a fait tellement le bruit, et ces garçons, eu égard au précédent, à la précédente intervention franco-marocaine, ont certainement eu peur, ont-ils agi suivant l'imminence de l'intervention française, ça ne m'étonnerait pas. Mais il est vrai aussi que ces garçons, vous savez, qui sont insurgés contre le régime de Mobutu, ont gardé une dent depuis l'année dernière contre tout ce qui est français, bien entendu, oui. Et puis par la suite, dans ces militaires de l'armée zaïroise, dans leur fuite, elles n'ont-elles pas commis aussi ces massacres? À mon avis, il faut, et c'est très important, de savoir quand ces malheureux ont-ils été massacrés. Ont-ils été massacrés à la veille, quand on avait annoncé l'imminence de l'intervention franco-belge, ou ont-ils été massacrés avant, c'est-à-dire pendant toute la semaine qui a précédé cette intervention des parachutistes belges et français? Y avait-il des Cubains avec les gendarmes katangais? Écoutez, à force de parler des Cubains, je crois que les connaissant ce qu'on appelle communément les gendarmes katangais, ils finiront peut-être un jour par faire appel aux Cubains. Mais ce qui est certain, et là je suis formel, il n'y avait pas du tout des Cubains qui les encadraient, tout comme l'année dernière. Nous rentrons de l'enfer de Kolwezi, où nous avons vu les rues jonchées de cadavres, les vitrines et les façades des magasins éventrés. Et ces images suffiront peut-être à vous faire comprendre ce qu'ont souffert les gens, la communauté européenne de Kolwezi pendant les 8 jours de la présence des Katangais, qui se sont conduits vraiment comme une horde de barbares. D'ailleurs, les témoignages que nous avons pu recueillir, tant du côté des civils que des militaires, suffisent à expliquer ce qui s'est passé. Leurs chefs, disons, se sont repliés, et alors là, c'était là. L'aberration, la folie, c'était là. Ivre, parce que dans toute la maison, ils s'emmenaient, c'était chaque fois la menace. Bon, whisky, ils ne voyaient que ça, whisky, bien sûr. Alors, c'était la rafle de whisky, la rafle de Simba, de bière, hein. Et voilà, on partait, et puis ensuite, ça a été le... Ici, par exemple, ils ont pillé la maison. Ils ont marché sur son cadavre pour piller la maison, enfin. Regardez, voilà, regardez les balles dans la façade, là. Uniquement parce que c'était un Français, un copain, un Français qui avait, sa femme avait des épaulettes.
Alors du fait qu'elle avait des épaulettes sous la chemise, c'était une mercenaire. Alors tout Français qui était célibataire dans une maison où il n'y avait pas de meubles, ben, automatiquement c'était un mercenaire. Donc, abattre sur place. Quoi. Vers 5 heures du soir, il y a eu une colonne katangaise avec 3 AML, plusieurs camions chargés de katangais motorisés, qui s'est présenté là, ici, sur le pont, pont Alpha. Et heureusement, la première AML a été détruite d'un coup de LRAC. Grand blessé, disons qu'on en a eu 150, 300 en tout dans l'hôpital, donc pratiquement uniquement des camarades. Tous sont partis de nuit il y a 2 jours, sans avertir. Ils ont emporté leurs blessés, même les plus graves, tous ceux qui avaient été... Lorsque vous parlez de camarades, vous parlez des Katangais. On parle des Katangais, oui. Mmh. C'était le titre qu'on devait leur donner et il ne fallait pas l'oublier. C'est maintenant que ça va être le pire. C'est maintenant, oui, parce qu'on a peur des représailles. Des représailles, enfin, des règlements de compte tribaux entre eux, et ça va être terrible. Et je crois que les Aïrois auraient voulu que nous restions ici. Pour eux, c'était une certaine sécurité, dans un certain sens. Le fait de nous voir partir, ils s'en livrent eux-mêmes, ils sont terriblement peureux maintenant, ils sont abattus. Mobutu Sese Seko, qui est aussi appelé le guide. Sur le plan politique, parlons démocratie. Ça ne va pas dans un pays africain parce qu'il y a un parti unique ou un parti national, comme c'est le cas au Zaïre. Tout simplement parce que on n'a pas copié l'Occident, où vous avez les partis de gauche, les partis du centre, les partis de droite, des conservateurs, des centre-droits, centre-gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un Africain? Centre-gauche, centre-droit, radical de gauche, radical socialiste, radical... Ça ne veut rien dire pour un Africain authentique. Et je le suis. Allez dans n'importe quel village africain. Je ne dis pas du Zaïre, mais africain. Il n'y a jamais eu... Je dis bien qu'il n'y a jamais eu un seul village avec le leader de la majorité au centre du village, le leader de la minorité, de l'opposition à gauche et tout ça. Eh bien, nous ne sommes pas, nous Africains, un monde d'opposition. Nous sommes un monde de juxtaposition. C'est-à-dire, chez vous, vous dites si bien... Du choc des idées jaillit la lumière. Ici, on se met les uns à côté des autres. Eh bien, nos idées, on les met ensemble autour du chef. Le chef, c'est le symbole de l'unité, le symbole de la paix. Vous avez lancé un mouvement que vous avez appelé l'authenticité. C'est quoi ? Recours à l'authenticité veut dire tout simplement retrouver son âme, sa dignité. Je ne peux pas être pris ni considéré comme un Belge d'Afrique parce que mon pays était colonisé par la Belgique. L'Ivoirien, le Sénégalais, le Togolais doivent être des Togolais, des Ivoiriens, des Sénégalais authentiques, mais pas des Français.